Alors bonjour à tous. Vincent Lahaye, vous m'avez peut-être vu sur Twitter sous le pseudo Jambon Buzz, c'était un vieux pseudo. Je travaille à Ouest France, je gère le tracking et je suis passé un petit peu vite. On va vous parler des enjeux d'analytics en 2022 et au-delà. Vous allez voir, c'est un gros programme avec un petit temps, donc on va essayer de faire au mieux. Et moi, je m'appelle Aristide Rioux. Je suis trouvable sur Facebook, sur Twitter, sous le nom de Aristweet. J'étais responsable tracking chez Ouest France. On se connaît, non? Et actuellement, je travaille pour une petite agence qui s'appelle Southwatt. On travaille essentiellement pour Royal Canin, les croquettes, tout ça. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir beaucoup de choses à vous raconter. Donc, on va garder les questions pour la fin. On sait que vous avez tous très faim sur ces horaires-là. Donc, on va essayer de faire le plus vite possible. Et puis, si vraiment vous voulez venir nous voir, nous, on reste 2 jours, on sera là ce soir aussi. Donc, faut pas hésiter, on ne meurt pas. Venez nous voir. Un disclaimer pour démarrer. Comme vous l'avez compris, on travaille pour des grosses, grosses, grosses boîtes. Ouest France, c'est un des premiers éditeurs, un des premiers sites médias de France et même d'Europe. Royal Canin, c'est le leader mondial du pet food. On travaille sur des sites qui font plusieurs millions de sessions par jour, parfois plusieurs centaines d'assets, des sites internationaux, des problématiques juridiques complexes, beaucoup d'interlocuteurs, etc. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain par rapport à ce qu'on va dire. On est confronté à des problématiques at scale, réellement. On voit des choses qui sont parfois un petit peu extrêmes. On va essayer de vous faire part de notre expérience et de modestement d'anticiper ce qui va se passer dans les 3, 4, 5 ans à venir. N'allez pas forcément prendre ça pour argent comptant. Vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques que nous, donc prenez ce que vous avez à prendre. Et d'ailleurs, on essayera de vous donner une espèce de to-do list assez actionnable sur les différents sujets, mais n'allez pas prendre tout au pied de la lettre. C'est important. Donc pour commencer, déjà d'où on part. Pour 90% des sites, donc c'est ce qu'on pouvait dire la plupart des sites internet, on va vraiment parler d'analytics. On avait une installation simple, on prenait le code analytics, on le mettait sur son site, ou on prenait le UA-quelque chose, on mettait ça dans un plugin. Et on n'avait pas de question de bande de cookies. Alors des fois on en avait un qui disait pour information, on a des cookies. Voilà, et puis vous ne pouvez rien faire de cette information. Et on avait des pages HTML générées côté serveur. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec ça, en gros ça voulait dire on a une page qui correspond à une URL. Donc on n'avait pas tout ce qui était en Vue.js, React.js. Ça c'était à peu près avant avril 2020. Pour ceux qui maîtrisaient un peu Analytics, dans l'admin vous aviez éventuellement des filtres, éventuellement quelques dimensions, des liaisons Google Ads, des liaisons Search Console, et vous aviez quasiment l'intégralité de vos données. Sauf que c'est plus possible maintenant. Bien sûr, encore une fois, ça va dépendre des cas. Il y a encore des configurations dans lesquelles ça reste plus ou moins le cas, mais aujourd'hui, on est en 2021. L'aspect juridique, on l'a mis en premier, ça va être un petit peu le fil rouge, impose de faire les choses différemment. Les technos sont plus les mêmes. Je sais qu'on est au SEO Camp, je sais que vous aimez pas React, Vue.js, etc. Mais c'est de plus en plus la réalité, notamment sur des grosses orgas. On n'est pas là pour débattre de est-ce que React c'est bien, pas bien, mais c'est de plus en plus la réalité et ça impose pas mal de choses côté Analytics. L'orga n'est plus la même aussi. Les gens qui consomment de la data sont plus forcément les mêmes. Ils la consomment plus forcément de la même façon sur les mêmes outils. On parle de plus en plus de data lake, de choses comme Power BI, Data Studio, etc. Ça se vérifie différemment selon les orgas. La maturité analytics est plus forcément la même. Donc, tout ça fait que l'analytics aujourd'hui, c'est plus je mets un petit bout de JS sur mon admin WordPress et dans 6 mois j'aurai les données, ce sera propre et je ferai des choses. Et c'est ce qu'on va essayer de vous détailler au travers de quatre, peut-être cinq thématiques si on a le temps tout au long de cette présentation. Pour chacune de ces thématiques, comme on vous disait, on va essayer de regarder d'où est-ce qu'on vient et les perspectives d'avenir avec éventuellement une solution à apporter et une recommandation. Alors, elle va être très personnelle, hein, on pourra en débattre alors, après, hein, sous le nez du chat. Voilà, on va faire ces quatre-là et on va commencer tout de suite avec une question qui revient assez souvent. C'est les questions des Consent Management Platform. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les bandeaux cookies qui disent est-ce que vous acceptez les cookies quand vous venez ici? Et en gros,
Ça date pas d'hier. Là, j'ai déterré un tweet de 2018, donc je connais pas ce monsieur Nicolas, qui disait, ah bah je dois refuser les notifications, attendre la fin d'une vidéo, fermer une pop-up de pub, accepter les cookies et tomber sur un paywall, je peux pas lire l'article. Donc ce qui a changé maintenant, c'est que vous acceptez les cookies avant. Voilà. Mais le reste n'a pas changé. Quand on parle de CMP, on est obligé de parler de la CNIL. Alors la CNIL, c'est un peu l'organisme français qui est chargé d'appliquer le RGPD. La CNIL, ils sont tout le temps tirés entre deux eaux. C'est soit ils ont des associations, alors je pense notamment à la Quadrature du Net, qui leur dit vous en faites pas assez, vous n'allez pas assez vite. Et il y a d'autres associations, type le GES, qui ont des intérêts publicitaires, qui disent vous allez trop vite, vous en faites trop. Et en fait, eux, ils doivent vraiment ménager le chèvre et chou arriver. Ils sont pas beaucoup, hein. Ils sont 225 agents, ça peut paraître beaucoup, mais avec tout ce qu'ils ont à gérer, ils gèrent pas que les bandes aux cookies, il faut pas déconner, ils gèrent tout ce qui est protection des données personnelles. Là, ils ont été bien occupés avec tout ce qui était passe sanitaire, tout ce qui était données de santé. Ils ont 20 millions d'euros de budget, ça peut paraître beaucoup aussi, mais 20 millions d'euros, quand on voit les amendes qu'ils sont capables d'impliquer, ils pourraient avoir beaucoup plus de budget. Disons que c'est un organisme qui pourrait être très très rentable s'ils étaient très violents dans l'application et très rigoureux dans l'application de la loi. Mais la CNIL, ils ne sont pas seuls. Alors, cette personne, vous ne la connaissez peut-être pas. Mais je peux vous dire que les acteurs, les gros sites le connaissent. C'est quelqu'un qui s'appelle Max Schrems et qui, NOYB, le petit logo derrière, s'appelle None of Your Business. Et lui, en fait, là, par exemple, c'était un article qui disait bah, moi, c'est pas dur, j'ai fait un crawler et dès que je détecte qu'un cookie est posé sans consentement, bah, je dépose une plainte au niveau de l'Europe et ça redescend au niveau des pays après. Voilà. C'est son combat. Lui, son combat, c'est il faut faire le respecter le RGPD à la lettre. Donc lui, il est plutôt côté vous n'allez pas assez vite. Donc voilà, vous avez la CNIL qui est là pour appliquer, et puis vous avez des associations qui sont là pour forcer un petit peu le truc pour que ça aille un peu plus vite. Et puis c'est devenu aussi un acte militant de refuser les cookies. Il y a beaucoup de gens qui comprennent ça. Il y a des navigateurs qui se sont complètement engouffrés dans la brèche, si j'ose dire. On a Brave par exemple qui parle de privacy, on a Apple qui parle de privacy, on a Firefox qui parle de privacy. Chrome a des intérêts donc il parle pas de privacy. Donc voilà. Mais là voilà, c'était il y avait une émission Cache Investigation sur vos données valent de l'or. Et là on voyait bon bah voilà, on me demande une autorisation pour les cookies mais je dois payer tout ça. Alors pour info, la réponse à ça c'est pour l'instant on ne sait pas. Vous avez une solution radicale, c'est pas celle qu'on va vous proposer, c'est vous dites, bon, au final, on n'a pas besoin. Alors, on parle souvent de cookies, et d'ailleurs, c'est un abus de langage. En fait, il faudrait qu'on parle de traceurs. On ne va pas rentrer dans ce qu'est un local storage et un session storage, mais savoir que pour conserver de la donnée, vous avez plusieurs façons de faire sur les navigateurs. On parle souvent des cookies parce que ça va plus vite, mais en fait, c'est tous les traceurs qui sont concernés. Donc, si quelqu'un arrive et vous dit, oui, on a trouvé une solution pour passer par le local storage, vous fuyez parce que c'est une mauvaise solution. Mais GitHub, par exemple, ils ont dit, OK, nous, on n'a pas besoin de traceurs, on enlève tous les cookies. C'est une solution. Ce n'est pas celle qu'on vous recommande parce que, à part si. Alors, les cookies fonctionnels ne sont pas dans ce cas de figure. Mais bon, souvent, on aime bien avoir des outils analytics. Puis nous, on aime bien avoir un métier, donc on ne vous recommande pas ça. Non, nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête, de ne pas essayer de développer quelque chose, c'est de prendre une solution sur l'étagère. Et à chaque fois, on dit, c'est quoi la meilleure CMP? En fait, il n'y a pas de meilleure CMP. Il y a un CMP pour chaque usage. Là, je vous en ai pris deux. Sur la gauche, pour vous, vous avez Acceptio, qui est une petite CMP qui fait le job. Vous avez quelques, voilà, vous avez Analytics, vous avez Facebook, vous avez ce qu'on appelle des vendeurs. Vous prenez ça va vous coûter une vingtaine de balles par mois, ou des fois, même si vous avez juste Google Analytics, c'est gratuit. Et voilà, vous avez un petit design, après on aime, on n'aime pas, mais c'est très sympa, c'est une boîte française. Et à droite, là, c'est Didomi. Et Didomi, eux, ils sont plutôt spécialisés dans les grosses boîtes qui ont des. Alors, il y a un framework qu'on appelle le TCF, qui est un framework de pub qui est très, très rigoureux aussi. Et là, par exemple, c'est sur le site 20 minutes. Et en fait, Didomi, voilà, c'est la Rolls-Royce des CMP actuellement. Il y en a d'autres, hein, Siddhartha, Cirdata, pardon. Il y avait Quantcast à une époque, mais Quantcast, ils se sont complètement cassés la gueule, ils n'ont pas du tout anticipé la CNIL. Nous, c'est vraiment ce qu'on vous recommande, c'est de prendre une solution sur l'étagère. Vous embêtez pas. Il y a des solutions open source, Tarte au Citron JS, qui marchent, mais qui ont quelques biais de configuration concernant l'Analytics. L'avantage de ces solutions, c'est qu'ils intègrent
Analytics, et notamment si vous faites du Google Ads, peuvent intégrer des solutions. Et ça, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera d'Analytics. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas prêt de s'arrêter, ça. Alors désolé, on fait un peu Cassandre, mais c'est que le début. Les lois européennes vont être de plus en plus rigoureuses. Là où nous, on a entre guillemets de la chance, c'est que la France est le plus strict en termes de loi. Et en fait, l'Europe devrait suivre la France. En fait, l'Allemagne commence déjà à suivre la France et l'Europe devrait suivre la France. Donc nous, on sera déjà habitués quand les choses strictes arriveront. Les navigateurs, ils sont partis en croisade. Apple est parti en croisade contre les données personnelles, enfin contre le suivi des données personnelles. Ça, vous avez ça par exemple, si vous avez un iPhone, on vous demande est-ce que vous acceptez le tracking? Et ça, vous pouvez le faire au niveau complet de votre device. Et un point aussi qui me tient à cœur, enfin, qui nous tient à cœur, c'est que va y avoir beaucoup plus de sanctions et va y avoir beaucoup de malins qui vont arriver et qui vont vous dire, vous respectez pas le RGPD, merci de nous donner 135 euros. Parce que là, c'est la mode des amendes à 135 euros. Ne payez jamais une amende au premier coup. La CNIL discute toujours. On vous dira toujours, attention, là, il y a un problème, on vous donne 3 mois pour le résoudre. Si on vous dit faut payer tout de suite, c'est que c'est une arnaque. Et ça, la CNIL le dit souvent, souvent, et on le redit encore, la CNIL ne demande jamais de payer, et ça passe toujours par un process juridique. Avant, ce n'est pas des pervenches, hein, ce n'est pas des amendes qu'on pose sur des pare-brises, ça n'existe pas. On vous demandera tout le temps de discuter. Le second point qu'on va aborder, qui est en partie une conséquence des questions de CMP, c'est la partie exhaustivité de la data. Alors, je vais commencer par un cas réel. Je pense qu'il y a certaines personnes dans la salle qui l'ont déjà rencontré. Réellement, un client, merci, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, qui me dit: ça va pas du tout, j'ai des décalages entre mes données de back-office et mes données Google Analytics. J'ai 14 commandes dans mon back-office. J'en ai 13, c'était peut-être 12 dans GA. Et j'en ai 12 dans GA. Bon, j'ai un petit peu caricaturé le truc, mais réellement, les nombres, c'était ça. Et il était atterré. Et il disait: ça va vraiment pas du tout, je peux pas piloter mon business. Bon, je vois les gens qui sourient, je sais que ça leur est déjà arrivé. Alors, voilà, on va tout de suite casser un mythe. L'analytics, les données que vous allez voir dans votre analytics, ce n'est pas la réalité. Il y a tout un tas de choses qui peuvent dégrader vos données. Je ne vais pas revenir sur la partie CMP, parce que c'est une partie juridique, mais évidemment que selon le côté strict ou pas de votre CMP, vous allez avoir plus ou moins de données entre guillemets dégradées. Des utilisateurs qui utilisent des adblock, bien sûr, j'ai parlé de adblock plus et uBlock, on va dire respectivement le moins hardcore et le plus hardcore. uBlock bloque tout par défaut, y compris l'analytics. Adblock ne le fait pas par défaut, mais rançonne les éditeurs. Voilà, coucou adblock. Les VPN, alors je parle des VPN parce que c'est pas forcément le plus gros sujet, mais ça dégrade pas réellement la donnée, mais ça la modifie. Si je me connecte pour une raison X ou Y depuis l'Allemagne ou les États-Unis, bénéficier de 50% sur NordVPN avec le code promo Jambon Buzz 2021. Tout bêtement, bonjour à s'il y a des gens qui viennent de la Lozère ou de la Creuse ici, des connexions de mauvaise qualité, ou de la 2G, du mobile, etc. On a des sites qui fonctionnellement sont de plus en plus complexes et des navigateurs qui sont aussi de plus en plus intelligents pour prioriser les ressources JavaScript. Votre tag Analytics, il peut très bien passer à la trappe pour afficher du fonctionnel du site. Ça paraît logique. Moi, en tant qu'éditeur de site, j'ai plutôt envie que les utilisateurs affichent et utilisent mon site plutôt que mon tag d'Analytics parte. À un moment donné, il ne faut pas déconner non plus. À tout hasard, qui ici connaît le Measurement Protocol de Google Analytics? Qui sait ce que c'est? Pas du tout, je vais faire un petit laïus dessus. Le Measurement Protocol, en fait, c'est ce qui permet d'envoyer de la data à Google Analytics server-side. Par exemple, vous avez un logiciel de caisse qui va enregistrer une transaction liée à un client ID Google Analytics, mais qui a lieu en magasin. C'est une façon d'envoyer un hit, non pas depuis le front de votre site web, mais depuis un back-office quelconque. Le Measurement Protocol, ce n'est pas du tout sécurisé. Demain, je vais sur un site e-commerce qui utilise GA, je prends son UA, je mets un client ID bidon et je lui envoie une transaction à 1 million d'euros. Ou pire, 1 000 transactions à 1 000 euros une fois toutes les heures. Je pourrais vous faire la démo avec un petit script, ça prend littéralement 3 minutes, et je peux pervertir les données. Il n'y a aucune notion de token, etc., qui existe sur ces choses-là. Ça va peut-être un petit peu changer sur GA4, mais c'est pour vous montrer la précarité, entre guillemets, des données que vous pouvez avoir sur du e-commerce ou sur de l'analytics en général. Ça reste un outil de front-end.
ça reste des choses qui se passent dans le navigateur de l'utilisateur. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe sur le browser, sur les plugins, sur la connexion, sur le navigateur qui est utilisé, la gestion des cookies, etc. Donc retenez, et ça je pense que c'est vraiment une question d'éducation, j'y reviendrai après, que si vous monitorez votre chiffre d'affaires, votre business, vos données entre guillemets comptables via votre Analytics, il y a quelque chose qui déconne. Vous ne devez pas utiliser votre Analytics pour aller monitorer des données business au centime près. Ce n'est pas un outil de données exactes, c'est un outil de tendance. L'analytique, c'est pas non plus la réalité. Ça, je pense que j'ai suffisamment insisté là-dessus. C'est une abstraction. C'est une abstraction avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. L'analytique, c'est un outil d'analyse de la performance du front-end. Voilà. Posons le truc une bonne fois pour toutes. C'est beaucoup une question d'éducation, en fait. On a dit qu'on allait vous donner des solutions. Donc là, je pose des constats qui sont un peu bateau, hein, finalement, et un peu et pas très sympa. Mais en fait, ce sujet-là, c'est surtout une question d'éducation. Je sais que par expérience, c'est le genre de sujet, quand on a un nouveau client, un nouveau manager, qu'on démarre un job, qu'on commence une presta analytics, etc., on n'a pas forcément des gens qui sont affinitaires à l'analytics et affinitaires à ces sujets-là. Donc c'est souvent, il ne faut pas se mettre en porte-à-faux soi-même vis-à-vis de ces sujets-là. On aborde le sujet directement, on dédramatise le truc, on dit... Vous n'allez pas avoir des données ISO entre votre back-office et GA. Vous allez avoir des données dégradées. Vous allez mettre une CMP. Ça va, selon ce qu'on va décider, ça va faire moins de données. Et finalement, une fois qu'on a posé le truc, et plus on l'a posé en amont, et pas 6 mois après avoir dépensé 50 000 euros sur Google Ads, par exemple, finalement, ça dédramatise le truc et on a l'info. Petit use case pour illustrer ça. Vous avez un tunnel e-commerce super classique, landing, product, shopping cart, purchase, avec toutes les limites qu'on a abordées. Donc vous perdez de la donnée parce que adblocker, parce que VPN, parce que site trop lourd, etc. Et là, le client vous dit « Ah ouais, mais en fait, les données ne sont pas ISO. » Ça, c'est pareil, je pense qu'il y a plein de gens à qui c'est déjà arrivé dans la salle. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'envoyer les données via Measurement Protocol à Google Analytics, donc d'envoyer les données de transaction server-side? C'est-à-dire que ce n'est pas votre JavaScript qui va envoyer le tag de transaction, c'est votre code PHP, Sidecore ou whatever. Et puis comme ça, là, il n'y a pas de problématique d'adblocker. Ça part depuis votre serveur. Bon, il y a des petites précautions à prendre, mais sur le papier, ça paraît être une bonne idée. Comme ça, je sais que si j'ai 30 transactions dans GA, j'aurai 30 transactions dans mon back-office et vice-versa. Mauvaise idée, en fait. Mauvaise idée parce que finalement, OK, vos données de purchase, elles seront OK. Elles seront raccord avec votre back-office, mais tout le reste partira quand même depuis votre front. Bon, après, il y a GA server-side, on en reparle un petit peu après. Mais finalement, par rapport à ce qu'on a dit avant, ça ne tient pas la route, parce que vos 3 premières étapes seront envoyées depuis le front, votre dernière depuis le back, vous ne pourrez pas optimiser. Les ratios d'une étape à l'autre ne seront pas d'équerre, donc vous ne pourrez pas optimiser votre site. L'analytics est un outil d'analyse du front-end, et donc là, vous êtes en train de mélanger les choses juste pour faire plaisir à votre directeur marketing qui veut les mêmes chiffres dans son dashboard et dans son back-office. Voilà, plus généralement, dans l'analytics, on sera plus efficace en travaillant sur des ratios que sur des valeurs. Ce n'est pas tellement le fait de dire « j'ai 13 transactions dans GA alors que j'en avais 16 dans mon back-office » qui est important. C'est plus d'étudier les ratios entre le checkout et la transaction par rapport à vos pages de destination, par rapport à votre SEO, par rapport à toutes vos sources, tout ce que vous voulez. Si on parle un petit peu plus largement, si on prend un petit peu de recul, c'est la vue de Google sur le sujet, mais c'est des choses qui vont venir sur beaucoup d'outils. Google, ils ont un petit peu fait leur deuil de la partie privacy. Alors, c'est un petit peu mon avis sur le sujet, mais ils savent qu'ils vont perdre par rapport à la CNIL et que la CNIL leur donnera toujours tort. En fait, Google, dans leur esprit, vous aurez 3 datasets à l'avenir. Vous aurez le dataset des données consenties, modulo le légal, modulo tous les pays avec lesquels vous travaillez, modulo si votre client veut être plus ou moins prudent par rapport aux données GA, c'est les données qu'on a aujourd'hui. Vous aurez les données loguées, c'est-à-dire que si vous êtes un site qui propose un login et ils vont vous encourager à le faire, vous ne dépendrez pas d'un cookie, vous ne dépendrez pas d'un local storage ou quoi que ce soit, vous aurez vos données avec vos user ID, et là quelque part vous comptez sur votre techno pour fidéliser les utilisateurs et faire en sorte qu'ils se loguent. Et à l'opposé, alors c'est ce qui existe déjà sous la forme de ce qui s'appelle Google Signals sur GA3 et un petit peu GA4, c'est des données qui sortiront d'un dataset de Google, anonymisé, hein, vous n'aurez jamais accès au user ID, et en fait qui dépend
Google sait que vous êtes logué. Google a, vous êtes logué, vous avez un téléphone Android, vous êtes logué sur un compte Google, etc. Et en fait, il est probable qu'à l'avenir, vous ayez à travailler séparément, plus ou moins, sur ces trois types de datasets. Donc, pour le troisième point, on va parler un petit peu des changements des outils. Alors, il y a quelque chose qui est sur lequel on est passé peut-être un petit peu vite, on l'aura peut-être dans les questions, c'est que nous, on part du principe, et c'est ce qu'on vous disait par rapport à notre attitude biaisée, c'est qu'on part du principe que Analytics n'est pas exempté de consentement. Vous devez avoir le consentement pour avoir Google Analytics. Donc voilà, je sais pas si je préférais que ce soit clair, parce que c'est vrai qu'on est allé un peu vite là-dessus, et on pourra en parler dans les questions si vous voulez. Donc, pour le troisième point, on voulait quand même parler d'une mutation aussi qui se fait depuis 2 ans, c'est la mutation des modèles de données. En gros, c'est un petit peu la conférence de Sébastien pour ceux qui étaient là. On avait avant des outils d'audience et maintenant les outils se transforment en outils d'analytics produit. On va plus du tout, avant on avait donc l'utilisateur qui faisait des sessions, qui faisait des pages vues, des fois il faisait des hits d'event quand vous les aviez mis. Et puis voilà, plusieurs hits de page ou plusieurs hits d'event, ça faisait une session sur 30 minutes et vous rattachez ça à l'utilisateur. Donc on voyait l'audience, on était content. Maintenant, le parti pris qui a été pris par Google, par d'autres outils d'ailleurs, c'était de dire, ok, votre utilisateur il va faire des interactions, c'est vous qui allez définir les interactions. Et voilà, la page vue est une interaction comme une autre. Donc voilà, là c'est des exemples d'interactions. Sébastien en a parlé tout à l'heure. Par exemple, j'ai ajouté du paiement. J'ai cliqué. Voilà, j'ai juste cliqué sur un truc externe, interne. J'ai scrollé. Avant, on ne mesurait pas les scrolls, ça coûtait assez cher côté GA. Maintenant, c'est un peu plus intégré. J'ai vu un élément dans une page. Ça peut être intéressant à voir. Donc, le parti pris qu'a pris GA, c'est de partir sur un outil. Alors, je vais passer un tout petit peu vite. Là, le logo, c'est le logo de Firebase. Firebase, c'était un outil qui était utilisé pour les apps. Et quand on a compris ça, on comprend le paradigme de GA4 en mode on veut que vous mesuriez votre site comme on mesure une app. Une app, il y a une rétention qui est souvent assez énorme. Quand vous avez une app sur votre téléphone, vous restez. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que vous l'utilisiez tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que vous avez plein de push, c'est pour ça que vous avez plein de choses comme ça. Et ils disent, OK, les sites web, on va les mesurer de la même façon. Et ça crée plein de problèmes, notamment sur les notions de source, où les notions de source dans les apps, c'était complètement différent. On va essayer, comme disait Aristide, d'avoir de plus en plus d'utilisateurs logués. Quand vous avez un log, vous ne dépendez pas forcément de la même du consentement. Vous pouvez dépendre du contrat, des CGU. Donc c'est un peu différent. Vous pouvez dire, non, j'ai le droit de suivre mes utilisateurs logués parce que c'est dans mes CGU. Voilà. Parlez à votre avocat avant de faire ça. Voilà, ce que je disais, c'est que la notion de page vue était moins importante. En fait, demain, si vous voulez juste dire « je veux que mesurer le scroll », rien ne vous l'interdit. Donc GA4 n'est pas le premier à faire ça. Hein. Pour ceux qui connaissent Mixpanel, ça fait très longtemps qu'ils font ça, qui est un outil adoré des startups en disant « oui, comme ça vous allez mesurer tous les événements, toutes les interactions ». Il y a AT Internet qui a pris exactement le même chemin, sauf que eux, ils ont été un peu intelligents, ils ont parlé à la CNIL d'abord, ils ont dit « bonjour la CNIL, on s'appelle AT Internet, on est un outil français et on aimerait bien avoir l'exemption ». Ils ont dit « ah ouais, d'accord, ok, vive la France, on y va ». Ils ont eu l'exemption, 2 semaines après, ils annonçaient qu'ils étaient rachetés par un groupe américain. Donc c'est un délire, mais en tout cas, nous, on a chez West France, on a AT Internet, comme beaucoup de médias, parce qu'il y a aussi des relations avec la CPM, enfin ça je vous le passe. Mais l'orientation qu'a pris AT Internet, ils ont l'exemption de consentement. Donc aujourd'hui, vous avez 100% de la donnée. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent d'avoir ça, enfin qui ont le blanc seing de la CNIL. Il y a une page qui existe, il y a 5 outils d'analytics dedans, et encore, je me demande s'ils ne sont pas 4. Voilà, aujourd'hui, les décideurs ils disent comment je fais pour avoir 100% de ma donnée. Une des solutions, c'est dire ok, vous changez d'outil. Vous prenez Wizistat, AT Internet, Abla Analytics, voilà, par exemple, ou Piwik Pro. Voilà, c'est les 4 qui sont recensés par la CNIL. Et j'ai regardé, on pensait que GA, alors c'est l'éternelle question, allait avoir le consentement. On pensait qu'ils allaient avoir genre 24 heures avant notre présentation. Non, c'est pas le cas. La page n'a pas été mise à jour depuis le 8 mars. Mais restez au courant parce que... Ça peut changer. Ouais, c'est dans les tuyaux et il y aura une communication un jour ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre, on n'en sait rien, mais c'est dans les tuyaux de la CNIL. On sait qu'ils ont posé un dossier. On sait de sources sûres que Google a déposé un dossier à la CNIL pour dire on veut l'exemption, on veut récupérer 100% des données. Et aujourd'hui, ça commence à vraiment à grogner. Alors, ça, c'était un petit florilège, un petit instant
Shitpost GA4, c'est un petit florilège de SEO. Alors, je suis complètement biaisé, hein, c'est dans ma timeline. Là, c'était Arnaud qui me répondait, bah, je lui disais, non, mais GA4, ça a l'air quand même un peu bien. Il me fait, non, mais mes clients, ils désespèrent. Et là, on ne parle même pas de consentement, hein. On parle juste d'interface. GA4 est horrible. Il y a tout un article sur Search Engine Journal qui dit GA4 est horrible, il faut le foutre à la poubelle, il faut mettre le feu. Là, c'est pareil. Il dit, oh, c'est horrible. Alors, tout à l'heure, on parlait de double marquage. Et certains disaient, mais pourquoi faire un double marquage alors qu'on a deux pages vues? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont perdus, en fait. Quand tu perds la session, tu perds tes repères. Et en plus, tu n'as pas exactement les mêmes données entre les deux outils. Donc aujourd'hui, le double marquage, c'est aussi une question de confort, une question de ne pas perdre ses moyens. La plupart des gens, certains ont appris à l'école Google Analytics normal, enfin UA. Donc c'est plus une question de confort. Voilà, des gens qui shitpostent en mode Google Analytics, mais utile. Voilà, d'autres personnes qui disent j'en peux plus d'Analytics. Alors, si vous voulez des likes, vous dites GA4, c'est pourri. Ça marche bien. C'est une petite astuce d'influenceur. Voilà, des gens qui disent oui, les gens qui veulent faire, on vend des formations à des pigeons. Voilà, bon, bah bref. Voilà, et ça, c'était. J'ai fait un tout petit sondage. J'ai eu 80 votes, donc selon l'IFOP, c'est très représentatif de la France. Voilà, on a quand même très peu d'époustouflants. Je pense que c'était Sébastien qui avait Moi, répondu. j'ai mis époustouflant. Voilà, donc vous êtes deux, ils sont là. Prometteur, il y en a peut-être d'autres. Et puis, oui, la plupart du temps, c'était au secours, je suis perdu. C'est pas forcément un rejet, mais c'est une perte en fait. On ouvre GA4. Et en plus, le truc, c'est que quand vous installez Analytics, quand vous voulez faire un double marquage, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il faut mettre afficher les options avancées. Vous pensez que vous allez tomber dans quelque chose de très compliqué, mais en fait, il faut juste ouvrir un petit menu déroulant qui dit oui, je veux créer Universal Analytics en même temps. Mais par défaut, on vous met GA4 quand vous avez une nouvelle propriété. Donc voilà, et ça date pas d'hier. Anne, que je ne connais pas, qui a l'air charmante, mais elle a mis le 24 juillet 2015, je ne comprends rien à Analytics. Donc c'est normal. Hein. C'est comme quand Facebook changeait de design tout le temps, c'était rendez-nous l'ancien Facebook. Oui, bah là c'est rendez-vous l'ancien Analytics. Non, ça n'arrivera pas. Et c'est même pire que ça, c'est que UA, ils vont plus le maintenir, en fait. Donc ça commence à poser problème. Donc si on parle, alors là, je vais pas refaire la conférence de Sébastien. Un petit peu quand même pour ceux qui n'étaient pas là. Mais le plus gros changement, c'est qu'ils disent on arrête de penser session, on pense utilisateur et événement. Donc la fin du taux de rebond, ça on vous l'a dit, on va parler d'engagement, de durée d'engagement. Il y a deux types d'attribution d'Analytics. Il y a l'attribution à l'utilisateur, qui va plutôt être first touch, enfin premier point de contact, et l'attribution à la session, qui là ressemble à celle de l'Universal Analytics. Il y a quand même des meilleurs rapports. Hein. Ils ont vachement bossé là-dessus. Avant, il y avait Analysis pour les clients 360. Ça, ils l'ont ouvert à tout le monde. La connexion avec BigQuery, ils l'ont ouvert à tout le monde. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et puis, ils s'orientent vers un outil ultra personnalisé. C'est-à-dire, là, depuis peu, il y a un onglet bibliothèque qui fait que vous pouvez supprimer les rapports par défaut Analytics. Ce qui n'est pas forcément mauvais parce que vous avez plein de rapports sur les apps. Si vous n'avez qu'un site web, vous n'en avez rien à foutre. Donc, vous allez dans la bibliothèque, vous dites, je veux supprimer le achat via une app. Et puis, vous l'aurez plus. Et il y a beaucoup de promesses, c'est ce que Aristide montrait tout à l'heure, avec des modélisations de données. On sait quels utilisateurs vont acheter dans 7 jours. Alors vous ne le savez pas, eux ils ne le savent pas, mais Analytics le sait. Ça voilà, je vous ai mis deux, trois exemples. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous partez d'un événement et vous ne partez pas d'une page vue pour faire des entonnoirs de conversion. Vous avez aussi des combinaisons de segments. Ça c'est déjà disponible. Hein. Vous allez dans Explorer Analytics et puis vous aurez toutes les rapports comme ça. Vous avez même un compte de démo qui est disponible si vous n'avez pas de page GA4 chez vous. Et sinon ça c'est vraiment le rapport, un des rapports les plus prometteurs à mon sens, c'est l'entonnoir, enfin le flux. Alors avant sur UA il y avait un flux mais c'était le bordel. Là vous prenez un event et vous allez prendre, alors soit au départ, soit à la fin, vous faites recommencer et à la fin vous mettez l'événement et vous voyez tout ce qui s'est passé avant. C'est super prometteur, mais la plupart du temps, vous avez ça. C'est un peu le problème. Et ça c'est le compte de démo. Hein. Je ne parle pas de West France où on a des millions de hits tous les jours, et donc on a un échantillonnage. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a encore besoin de quelques coups de tournevis dans Analytics. Faut l'avouer. Dans GA4. Et puis, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même de grosses limites. C'est qu'ils se sont dit, oui, on va tous partir avec des rapports user first. Et la CNIL a fait non. Mais les utilisateurs, ils doivent donner les consentements. Et je parlais un peu à d'autres personnes, ils me disent, bah moi j'ai 30% de consentement, moi j'ai 40% de consentement, moi j'ai de la chance, j'ai 60% de consentement. Ok, donc j'ai 30% de personnes sur lesquelles je ne vais pas avoir de données. Donc comme disait Aristide,
peut faire des ratios, tout ça, mais ça crée quand même un biais du survivant, c'est-à-dire que vous allez analyser que ceux qui ont donné le consentement. Ceux qui n'ont pas donné le consentement, bon, au final, ça se trouve, ça va être vos meilleurs acheteurs. Ça dépend vraiment de vos verticales. Aujourd'hui, les notions de filtrage, bah, vous avez un fil sur IP, un fil pour les développeurs, c'est pas terrible. Les utilisateurs sont complètement perdus, faut l'avouer. Et puis, vous allez retrouver des incohérences. Alors, les incohérences, c'est du genre, là, j'en ai pas forcément, mais une personne qui utilise un produit et puis qui achète direct sans passer par la méthode de paiement. Ça arrive. Je pense que, voilà, encore une fois, ils ont besoin de tournevis. Je ne vais pas vous expliquer les envois de hit en batch, tout ça qui peuvent les expliquer, mais voilà, il faut qu'ils corrigent encore des trucs. Et c'est dommage qu'ils nous imposent un produit qui n'est pas encore fini aujourd'hui. Les solutions, quand même, c'est on vous recommande le double marquage parce que vous allez avoir besoin d'un historique et parce que bah, quand ils vont décommissionner Universal Analytics, bah, vous serez bien content d'avoir un an de données. Alors, ce que je disais à Sébastien tout à l'heure, c'est que la suppression des données à 14 mois, en fait, elle ne va pas se faire au niveau consolidé, elle va se faire au niveau des explorateurs, les schémas que je vous ai montrés. Donc, vous aurez toujours un historique de trafic. Mettez les mesures améliorées si vous ne voulez pas vous embêter. En fait, ce qui est bien quand vous mettez GA4, c'est que si vous ne connaissez pas GTM ou si enfin, vous ne connaissez pas trop comment marche Analytics, bah, de base, il vous propose les pages, les clics, les recherches sur le site, les téléchargements de PDF, Word, Excel, les scrolls. Les lectures de vidéos aussi. Donc, c'est quand même assez confortable d'installer juste un snippet et puis de l'avoir. Et puis, bah, au bout d'un moment, c'est peut-être, vous savez que vous allez partir sur un nouvel outil qui n'a pas d'historique. Bah, peut-être que c'est le moment de dire, de regarder ce qu'il y a sur le marché. Je sais que vous êtes biberonné à Analytics parce que c'était l'outil gratuit par excellence. Voilà, GA4, il va avoir plus de limites. C'est 25 millions de hits pour passer en gratuit, mais de base, un utilisateur vous en envoie 4. Donc forcément, ils ont augmenté les limites parce qu'ils envoient plus d'events. Et bah, peut-être qu'en France, s'ils n'ont pas l'exemption, c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce que Google va m'apporter de la joie? Et puis continuer là-dessus. Et demain, donc demain, bah, la notion de privacy, c'est ce qu'on vous a dit, bah, ça peut tout changer. Demain, Google a l'exemption, bah, là, on dira non, restez sur Google Analytics, c'est vachement bien. Faut investir dans BigQuery. Une petite parenthèse dans BigQuery qu'on oublie. C'est que BigQuery, ça peut coûter de l'argent. Hein. Le stockage, c'est pas gratuit. Le stockage à 3 ans, c'est pas gratuit non plus. Donc, quand vous commencez à mettre du BigQuery, vous avez un free tier qui est à $500 par mois. Si vous avez beaucoup, beaucoup de données, au bout d'un moment, le stockage, vous allez le payer. Le long stockage, vous allez le payer. La lecture, vous allez le payer. C'est des toutes petites sommes, mais faut quand même se renseigner avant de le faire. C'est pas juste une case à cocher et puis voilà, vous êtes content. Non, bon, normalement, les $500 pour l'atteindre, faut y aller quand même. Et puis, attendre des nouvelles features. Ça se trouve, demain, ils vont sortir une feature qui va tuer tout le monde parce que c'est Google et ils vont dire regardez, vous appuyez sur un bouton et puis ça vous génère 40 slides, 40 PowerPoint et puis on vous refait votre site et on vous dit de tout corriger votre marquage. On n'en sait rien, je pense pas, mais sinon, on sera au chômage, mais bon, tant mieux. Il reste quoi? 5 minutes? Et moins 10. Ouais. Bon, je trace. Dernier point, qui pour le coup va être un petit peu décorrélé du reste, mais pas tant que ça. C'est le point de la qualité de données, qui va être un follow-up un peu logique de ce que j'ai raconté en deuxième partie. D'où on part? Donc, si vous utilisez un tag manager, je pense que c'est le cas de la plupart des gens ici, ou que de façon générale, vous gérez des tags d'analytics, des tags publicitaires, des tags de retargeting, etc. On reçoit un tag. On le met, on valide en preview, hop, et c'est bon, c'est fini. Le tag, il est là, ad vitam aeternam. Tout le monde a accès au container GTM, les gens commit, publient un peu comme ils veulent, etc. Et voilà, alors traditionnellement, bah, si vous êtes dans une grosse boîte, surtout votre DSI, ont ce genre de stack technologique, du back-end, du front-end, des bases de données, du monitoring, etc. Et traditionnellement, vous êtes au marketing et vous vous dites non, moi j'ai Google Tag Manager pour complètement fuck up le front sans aucune validation de la DSI et je suis content. Bah non, en fait. Alors, ce qui est un peu triste, c'est que pas mal de plateformes de Tag Manager, pas GTM, mais pas mal de plateformes vendent les outils comme ça. Je veux dire, littéralement, allez voir les landing pages. Hein, c'est vous allez pouvoir faire chier vos techs en déployant du code sans leur demander leur avis. Peu plus poli, hein, Oui, c'est mon interprétation, mais vu de l'esprit. Allez voir les pages des vendors, je ne vous donnerai pas de nom, mais allez voir. Bah en fait, non,
Parce que genre Google Tag Manager, on peut présenter ça comme l'outil qui rendra vos marketeurs plus heureux. Le fait est que c'est un outil qui permet de faire du JavaScript de façon un peu fancy, mais quand même du JavaScript. Donc en fait, au même titre que tout le code que vous allez shipper, vous allez devoir avoir des pratiques de dev que vous le vouliez ou non. Ça ne veut pas dire monter des infra techniques, etc. Mais il y a quand même quelque chose à retenir. Okay. Parce que sinon, vous allez finir avec des choses comme ça. J'ai flouté les noms des gens, ils ne le méritaient pas, mais vous avez un container GTM, et là on se parle d'un container GTM qui avait à peine un an. On ne se parle pas d'un truc avec 10 ans de legacy. Hein. Une agence média bah, qui s'était retrouvée avec 700 tags, 650 triggers, une zone qui était appelée, et un container qui créait des gros problèmes de perf. Je ne reviendrai pas sur le détail, je pense que Nicolas l'avait un petit peu couvert. Ce n'est pas tellement le nombre de tags qui est le problème. C'est que parfois vous pouvez avoir des tags qui appellent beaucoup de variables en cascade et qui créent ce qu'on appelle des long tasks JavaScript, qui peuvent bloquer le processeur. Je vous laisse creuser le sujet des long tasks, qui est un gros point des Core Web Vitals. Je pense qu'il y a des gens qui doivent en parler aujourd'hui, mais c'est un gros sujet. Donc du coup, comment est-ce qu'on s'inspire des pratiques des devs pour gérer notre tag manager sans non plus faire une usine à gaz? Mais simplement, il y a quelques bonnes pratiques à avoir. Je déploie un Alors, tag. pour ceux qui sortent des conférences, donc c'est la pause repas. On a sorti des tables dehors, donc n'hésitez pas à passer au stand de nourriture pour qu'on vous serve à manger, puisque vous ne vous servez pas tout seul, il y a des serveurs pour ça. Et après, à sortir dehors, prendre l'air. Fake news. Pendant la pause repas, on a aussi la clinique SEO et la Caseo. Il Ah, y a intéressant. un petit mélange des deux aujourd'hui parce que bah, c'était plus simple à organiser. Donc n'hésitez pas, ce sera dans la salle 4, la salle atelier qui est en face des toilettes à l'étage. Moins bien que Vous GTM. pouvez toujours aller voir pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez vous inscrire pour demain en flashant les petits QR codes qui sont affichés sur les murs sur certaines affiches. Voilà. En plus, le buffet, c'est les meilleurs trucs qui partent dans les deux N'hésitez minutes, pas à hein. vous Là, répartir dans vous toute êtes déjà l'usine. en Il y a des retard. buffets dans. Il y en a deux dans l'atrium, il y en a deux dans l'annexe de la Merci pour la tente. porte. Et voilà. Et aussi un en jardin d'hiver. N'hésitez pas à aller voir dans le jardin d'hiver parce que, à mon avis, c'est là qu'il y aura plus de restes de nourriture. Donc, bref, voilà, il y a cinq buffets pour rappel. Donc, n'hésitez pas à vous dispatcher. Et après, si vous voulez prendre le soleil, vous pouvez. Sinon, il y a aussi des tables ici. Et en profiter pour voir les sponsors pendant qu'ils sont disponibles. Voilà, bon appétit à tous. Et sinon, bonne clinique à ceux qui y vont et bonne Caséo. On ne fera pas Merci. le point 5, vous inquiétez pas. Il reste deux slides. Donc, concrètement, j'ai un tag. Je fais quoi? Du QA. Je fais un test unitaire dans le navigateur, etc. Ça, vous avez l'habitude. Ce à quoi on ne pense pas, c'est ce nous, on appelle dans notre jargon du QC, du quality check. Le tag, une fois qu'il est en prod, c'est pas pour ça qu'il marche. Vous vérifiez la volumétrie dans GA. Vous vérifiez que vous avez des bons labels qui remontent. Il y a toujours un moment où ça va déconner. Parce que sur une page un peu fantôme de votre site, l'event label, il réagit pas comme vous l'attendiez parce que le CMS ne crache pas la bonne donnée. Vous avez souvent des surprises à ce moment-là. Donc autant l'intégrer dans vos process et dans votre delivery dès le début. Comme ça, en fait, c'est pas hop, c'est bon, GTM, c'est sorti, j'ai publié, les gens du marketing peuvent utiliser le truc. Non, c'est sorti, je te donne le go, je mets mon coup de tampon dans une semaine. Auditer la performance de vos tags, j'y reviens pas, j'en ai parlé avant, on pourrait faire une conf là-dessus. Et à terme, potentiellement, ces choses-là, parce que c'est quand même un peu manuel, hein, c'est pas la partie la plus drôle du boulot, on les automatise. Il y a des outils, alors des outils sur l'étagère comme Upscan ou ObservePoint qui font ça très bien. Si vous êtes un peu tech, que vous faites du JS, il y a Puppeteer qui est un outil d'automatisation open source qui marche pas mal où vous allez coder des tests. Ça ne demande pas un gros niveau en JS, hein, c'est très simple. Et potentiellement, votre marquage, vos containers, vous faites des passes régulières et vous faites du nettoyage régulièrement. Je ne reviens pas sur la question des perfs, ça pourrait être un sujet à part entière, mais j'en ai un petit peu parlé. Et voilà, globalement, auditer régulièrement, c'est de la qualité de code en fait. Les Pour devs, si. rappel, vous avez plusieurs buffets de restauration. Vous en avez notamment un dans l'atrium, juste à côté de Next C'est un Level, complot. où il n'y a personne. Donc, si vous voulez vous restaurer, vous pouvez y aller. Elle travaille dans une agence concurrente. Voilà. C'est de la qualité de code. Si vous travaillez avec des techs, vous savez qu'ils ont l'habitude d'auditer, de passer leur temps à faire du refacto de code. C'est pas que c'est des mauvais devs, c'est juste qu'il y a de l'hygiène de code. Vous devez faire la même chose dans votre tag manager. Et même si vous avez vos tags en dur, hein, je pense pas que ce soit le cas ici, mais il y a peut-être des devs qui mettent des tags en dur, ce qui est très bien aussi, hein.
C'est pareil, le code doit être audité régulièrement. On passera là-dessus. On voulait vous parler de GTM server-side. C'est un sujet à part entière. Venez nous voir ce midi si vous voulez en parler. C'était un sujet un petit peu technique, mais à retenir, informez-vous sur le sujet. Ouais. C'est compliqué, ça coûte de l'argent, mais il faut y aller. Voilà, s'il y a un truc à dire sur GTM server-side. Pour finir, tu l'as fini, Vincent ? Ouais. En gros, pour faire un peu le bilan, c'est vous rentrez, vous dites « Ah, ils m'ont fait chier les deux à dire que tout allait tout changer et puis on va tous mourir. » Donc, essayez de trouver des indicateurs qui sont privacy first. Tout ce qui est consolidé, ça marche bien. En fait, ce qui embête tout ce qui est dans un audit nil, on va vous dire pourquoi vous êtes capable d'identifier un utilisateur. Donc, tant que c'est consolidé, normalement, ça passe. Ça, je vous invite à aller voir la page cnil.fr/solution de mesure d'audience. Utilisez un double marquage si vous voulez rester sur GA. Si vous voulez rester sur un outil gratuit, hein, bien sûr. Sinon, vous pouvez regarder Matomo, tout ça. Matomo n'est pas encore exempté, hein, pour info. Ils n'ont pas eu le tampon de la CNIL. Il ne faut pas confondre Piwik et Matomo, c'est deux outils différents. Voilà, je ferme la parenthèse. Il faut maintenant penser produit. Donc, essayez de vous renseigner sur qu'est-ce que l'analytics produit. Il faut auditer ce qui existe. Il faut nettoyer. Il faut regarder si vous ne pouvez pas alléger. On parle beaucoup de Cowboy Beetles pour les SEO. En gros, c'est Chrome fait la guerre. Autant il y en a qui font la guerre à la privacy, Chrome fait la guerre à la performance. Faut supprimer l'utile, optimiser l'utile. On n'a pas parlé des templates GTM qui améliorent aussi, mais ça c'est vraiment trop compliqué. Enfin, c'est assez complexe, mais ça va aussi rentrer bientôt. Tester sur le long terme, parler avec vos devs, ce que disait Aristide. Et puis, c'est peut-être le bon moment, comme tout change en France, remettre à plat les usages du passé, dire, de toute façon, l'an dernier, c'était une année très bizarre du fait de l'actualité. Il y a beaucoup de sociétés qui disent, on ne peut pas comparer 2021 et 2020. Fonctionnellement, ce n'était pas la même chose. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour dire, OK, est-ce que faut garder avec les outils du passé? Voilà. On vous remercie. On va regarder si vous avez des questions et on va passer vite fait à la question mug. Attends, parce que, non? Si, oui, question mug. Comme ça, vous avez perdu le buffet, mais il y a une personne qui va avoir un mug en consolation. Ça va être une question sur GA4. Quel est originellement l'outil sur lequel est basé GA4? Le modèle de données, oui. Firebase, bonne réponse. Félicitations. Voilà. Donc, bravo.